Bonjour et bienvenue à vous, chers années 8, pour votre guidance du mois de décembre, la dernière de l'année, ce qui signifie aussi que vous allez passer de l'année personnelle 8 à l'année personnelle 9 pour 2024. À ce titre, je vous rappelle que j'ai créé cette année des numéroscopes par année personnelle pour vous accompagner sur toute l'année 2024, dans lequel vous allez retrouver les énergies annuelle de votre année personnelle, donc là en l'occurrence l'année 9, les énergies mensuelles en fonction de votre année personnelle qui viennent en complément en fait des guidances mensuelles que je tourne tous les mois, un taroscope, un carnet de bord. Et donc tout ceci est en ligne sur mon site lesmaudetonâme.com dans la rubrique boutique. J'ai créé ça cette année pour vous accompagner encore un peu plus loin. L'énergie donc de ce mois de décembre pour vous, les années 8, est marquée par donc prière femme. Donc on est en train de vous dire que il y a deux aspects. Il y a une notion, vous voyez, de rectitude, donc de retrouver vraiment cette énergie féminine en vous. Ou ça peut être aussi le fait que vous pourriez espérer peut-être quelque chose par rapport à une femme, une personne de votre entourage, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, peu importe. Mais du coup, il y a cette notion-là d'être entendu et aussi d'être entendu dans votre féminin et voire de vous entendre vous dans votre féminin. Donc, on est en train de dire que vous pourriez reconnecter à certaines énergies sur ce mois de décembre. Ce qu'on nous dit par rapport à ça, c'est que là, vous voyez, avec la reine d'épée, on a un personnage. La reine d'épée, c'est un personnage qui sait trancher, qui sait prendre des décisions. Et vous voyez, elle regarde droit devant elle. Et du coup, il y a une notion, il y a quelque chose d'assez pragmatique dans tout ça. Donc, il y a peut-être une décision importante pour vous à prendre, soit vis-à-vis d'une femme, soit vous en tant que femme. J'allais dire, en vous choisissant, en prêtant attention à ce que vous souhaitez. Et donc, il y a cette capacité-là de prendre cette décision, de trancher par rapport à une situation, même si pour l'heure, vous ne savez pas bien où ça va vous amener. Là, avec le mat à l'envers, on a un personnage qui est prêt à se jeter dans le vide, mais là, sauf qu'il est un petit peu, enfin, il a la tête en bas, la carte est renversée, donc c'est-à-dire qu'il ne sait pas bien par où il va. Ce qui peut rentrer en ligne de compte, en fait, par rapport à ça, et l'invitation que vous avez profondément pour ce mois de décembre, chères années 8, c'est de sortir de schémas qui sont peut-être un peu sclérosés, donc soit des croyances limitantes, soit des schémas dans lesquels vous êtes enfermés et qui ne sont plus, j'entends, au goût du jour, parce que j'entends qu'il est temps de dépoussiérer. Donc, c'est peut-être aussi hein, cette décision à prendre par rapport à quelque chose d'assez ancien avec lequel vous ne vous sentez plus en phase. Et on est en train de vous dire, quelque part, il est temps de faire le plongeon. Et en faisant ce plongeon-là, c'est un vrai renouveau pour vous qui s'annonce là. Mais je comprends que c'est quelque chose de très, très intérieur. En vous. L'enjeu de ce mois de décembre, c'est que c'est justement cette transformation, parce que la maison Dieu, elle vient casser des choses, mais c'est pour reconstruire autre chose. Et j'arrête pas d'entendre que c'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez dans un changement de peau, une mue intérieure, et vous êtes vraiment prêt, prête, là en atout, à ce changement, à cette transformation. Voilà, il y a une notion de transformation, et c'est une transformation que vous espériez depuis longtemps, mais qui part de vous. C'est pas quelque chose qui fait que l'extérieur va tout transformer, ça vient de vous. Et vraiment de vous tenir prêt, prête à ce renouveau. C'est possible, vu que là le jugement ici passe en contre, que il y a encore des petits ratages, soit d'un rendez-vous, soit d'un retard, soit d'un contretemps. S'il y avait un déplacement, quelque chose comme ça. Peut-être le billet à modifier ou des petites choses de ce type-là. Mais en tout cas, on est en train de vous dire que ce mois de décembre, il y a une notion de transformation. Et avec la carte de la justice à la fin, on est en train de me dire en carte conseil, c'est un résultat que tu attendais depuis longtemps, quelque chose que vous espériez depuis longtemps. Et en même temps, on est en train de vous dire de vraiment bien rester centré à l'intérieur de vous, de ce que vous avez décidé et de ce que vous souhaitez. Voilà. Pour
vous aider à trancher et à aller vers ce renouveau. Voilà, chères années 8, ben écoutez, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.